toutes les opportunités sont bonnes à saisir tant qu'on reste en raccord avec ses valeurs. Je m'appelle Laure, j'ai 25 ans et je suis la fondatrice de Zeta, qui est une marque de baskets recyclée, recyclable et vegan. J'ai fait que tous mes stages en industrie de la mode et de la chaussure. Je suis passionnée par ce milieu. On recevait les catalogues La Redoute à la maison. Donc je découpais les vêtements, je les redessinais. Ce que je portais, la façon dont je m'habillais, c'était un moyen de m'exprimer quand j'étais plus jeune. J'avais envie de travailler dans ce milieu-là. Et en dernière année de master, je me suis dit « Ok, j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat, j'ai envie de lancer un projet impact, ma propre marque de mode responsable. » J'ai toujours été sensible à ces problématiques-là. J'ai grandi à la campagne, entourée de champs, de vaches. Mes parents m'ont toujours élevée dans ce respect de l'environnement, de la biodiversité. Les premiers dessins, ils étaient abominables, clairement. Ils n'étaient pas beaux du tout. Je les avais faits avec des feutres sur un cahier d'école. Quand on en reparle avec l'usine de fabrication au Portugal, ils se moquent de moi. Ils ont même affiché le premier dessin dans le bureau pour s'en souvenir. Mais du coup, je les garde en souvenir quand même. C'est plutôt rigolo de voir d'où c'est parti et ce qu'on a réussi à faire à partir de dessins. Plus qu'une opportunité, c'est une nécessité d'inclure une dimension environnementale dans l'industrie de la mode. Il faut faire attention aux conditions de fabrication, à la provenance des produits, à la traçabilité. Ça devient une nécessité. Clairement, ce qui me motive, c'est d'avoir un impact sur l'environnement, un impact sur les hommes. On utilise uniquement des matières recyclées, donc pour chacun des composants de la chaussure. Donc on a 3 kg de déchets au total dans une paire de Zeta. Ce qui est assez original dans nos matières, c'est qu'on a utilisé au début du raisin, du marc de raisin, pour l'extérieur de la chaussure. Et ensuite, on s'est diversifié avec du maïs et dernièrement, une collaboration avec Nespresso avec du marc de café. J'ai eu beaucoup de doutes, notamment parce que j'étais jeune. Ça a été un frein pour un grand nombre de situations. Lorsque j'ai été voir les premiers fournisseurs, j'ai pas mentionné mon âge ni le fait que j'étais étudiante parce que j'avais peur justement qu'ils veulent pas collaborer avec moi. Le fait d'être jeune, ça a aussi été une opportunité. J'ai pas d'attache, j'ai pas de famille encore, j'étais encore en études. Donc j'avais rien à perdre, mais plutôt tout à gagner et tout à construire surtout. Sortir de sa zone de confort, ça permet aussi de créer des opportunités. Clairement, quand je suis partie au Portugal et que j'avais pas de ressources, pas de compétences, j'étais pas rassurée du tout. J'avais même très très peur. Mais je me suis un peu bousculée en me disant « Ok, va voir ce qui se passe là-bas, va voir si c'est possible. » Je visite différentes usines, j'en visite 3 au total. Et la première que je rencontre, celle avec laquelle je travaille aujourd'hui, il y a un feeling incroyable. Ils comprennent immédiatement la portée du projet, les réutilisations des matières, là où d'autres ne l'ont pas du tout compris. Et donc, ils me disent « Ok, on te suit dans l'aventure. » Un an après, ils m'ont dit « Voilà, on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes de plein de marques différentes, des grosses marques, des startups qui veulent se lancer. Mais vraiment, ce qui a fait la différence, c'est que tu es arrivée toi toute seule et en étant une femme, on est comme dans un milieu assez patriarcal et assez masculin. Tu t'es déplacée pour venir nous rencontrer et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on voulait travailler avec toi. » Il y a quelques mois, on nous a proposé d'être commercialisé sur une plateforme aux États-Unis, très très connue. On s'est vraiment retrouvé dans un dilemme entre presque opportunité et opportunisme, à se demander est-ce qu'on accepte cette proposition qui nous permettra de grandir, quitte à ne plus être en accord avec nos valeurs intrinsèques en fait, parce qu'on ne cautionne pas l'expédition par voie aérienne, ou est-ce qu'on la refuse, quitte à du coup perdre en visibilité. On a décidé de suivre notre ligne conductrice et voilà, de limiter notre impact carbone et donc de ne pas accepter la proposition. Au moment, je n'ai pas encore fait tout ce que j'avais à faire avec l'entreprise et je ne me verrais pas vivre sans état, clairement. Mon rêve, ce serait qu'on réussisse à rester en raccord avec les valeurs qu'on a essayé d'implémenter au début, même 10 ans après.